Sébastien? Quoi, Francis? On attendait-tu quelqu'un aujourd'hui, nous autres? Je pense pas, mais dites-moi, il fait frais aujourd'hui. J'avoue qu'il fait pas chaud dans la shed comme il peut faire chaud dans la shed d'habitude. Mais c'est bizarre. On se fait filmer, là. On se fait filmer? Les gars! Ah! C'est parce que c'est votre show dans la shed! Oh! C'est notre show dans la shed! Des questions, moi. T'as des questions? Franck, ben viens nous poser des questions parce que on sait pas quoi se demander du tout, là. Non? Non, ben on sait tout.
On le sait. Je n'ai pas besoin de demander, je le sais. Hey, première question. Le show dans Shed, j'ai vu que vous aviez passé beaucoup d'artistes régionaux. Des artistes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Jean Caron, Gilles Légaré. Des artistes qu'on n'avait jamais encore vus. Oui, comme Morgane Jacob aussi. Vincent Cloutier. Vincent Cloutier, Caroline Larouche. Prévoyez-vous faire une deuxième saison? Mazan! Puis on a déjà du monde qui sont intéressés, qui ont vu le concept, puis qui nous ont approchés. Fait que, bon, on a pensé aussi à du monde qu'on n'avait pas pensé pour cette saison-ci. Fait que là, on va faire le tour, on refait le tour. Hey les gars, j'ai vu que vous aviez. Il y avait une chanson que vous avez faite aujourd'hui qui était plus de Sébastien, l'autre un peu plus de Francis. Est-ce qu'on peut s'attendre à un projet des deux frérots de composition ouais, dans les. Oui, je peux répondre dans oui un à ta avenir question. Proche. Probablement qu'on aurait un album, ben pas un album, mais une couple de chansons à présenter si on n'avait pas fait des shows dans la chaîne, parce qu'on avait commencé à enregistrer des tracks. Ouais. Puis là, ben, le show dans la chaîne a fait qu'on a tassé ça un peu. Mais oui, on a comme plan d'arriver avec un projet de compo de frères. Ouais. Ce qu'on a fait là, c'est qu'on a pris une toune à Francis puis une des miennes. Mais c'est sûr que l'idéal, ce serait qu'à un moment donné, on s'assise puis on invente des tounes ensemble. Ouais. Dans le Gumbo, la toune que j'ai présentée, c'est une chanson que le texte est de Geneviève Gagnon, une fille que je connais depuis la maternelle, qui à un moment donné m'est arrivée avec un texte. Elle m'a dit « Essaye donc quelque chose avec ça. » Moi, Natacha, j'étais dans un bar une fin de soirée puis il y avait une fille au comptoir qui se faisait littéralement jasé par une file d'attente de gars. C'était drôle, mais presque triste en même temps. Hey, les gars, avez-vous un message à dire au public qui vous ont suivi dans les derniers épisodes? Mazan, merci de suivre l'émission. On est super contents. Je sais pas quelle caméra regarder. Là, les deux, ils ont les lumières rouges. Merci en maudit de venir regarder nos émissions. On a tellement fait ça pour le fun, en s'attendant vraiment à rien. Pis là, ben tu sais, c'est comme le dernier épisode qu'on tourne. On pourrait peut-être faire un petit mot pour les techniciens qui vous ont accompagné tout le long, je sais pas si vous voulez les nommer. Ben certainement, on a Jean Caron à la caméra. Et Alain Royer qui ont filmé tous les épisodes, ou à peu près, là. Martin Deschamps qui s'est ajouté... à peu près à mi-projet, pis qui est là depuis. Ah ben les gars, merci beaucoup pour le beau concept. Hein. On vous souhaite beaucoup de succès. On vous souhaite une autre saison remplie de bons artistes régionaux, puis merci de faire une place aux gens comme ça. Hey, on tripe! Ça fait plaisir! Merci tout le monde! Yes! Quand tes mots t'es-tu, qui punes-tu? Quand la ville me pèse, la vie me baise. Dans le creux de ma main, au fond de ma poche, rien qu'une garnotte commune. Nos petites roches, c'est un morceau de nord, une pépite en or, un morceau de nord, une pépite en or. Quand je marche comme un con, que je tourne en rond, ton silence me blesse, les klaxons, les chars m'agressent. En dessous de mes pieds, j'ai des racines qui poussent. C'est de l'épinette noire, les godasses hors trousse. Quand l'asphalte s'affaisse, les troupeaux se pressent. Quand les nids de poules enfargent la foule, dans mes yeux qui braillent, il reste une lumière, une aurore verte rose boréale. C'est un petit bout de ciel, une étoile polaire. Un petit bout de ciel, étoile polaire. Quand je marche comme un con, que je tourne en rond, ton silence me blesse, les klaxons, les chars m'agressent. En dessous de mes pieds, j'ai des racines qui poussent. C'est de l'épinette noire, les godasses sortent tous. Les orteils dans le gumbo, la sève me remonte au cerveau. Quand le smog m'étouffe, les gratte-ciels me bouffent. Quand tu me scies l'homme en deux, je me pousse peureux. Au bord d'un grand lac, dans le fond de mon ventre, je chame avec les brochets, je me réinvente. C'est un lac d'Abitibi, un miroir immense. Je me vois la face intense. Quand je marche comme un con, que je tourne en rond, on s'y
silence me blesse, les klaxons, les chars m'agressent. En dessous de mes pieds, j'ai des racines qui poussent. C'est de l'épinette noire, des godasses hors trousse. Des orteils dans le gumbo, quand je marche comme un con, que je tourne en rond. Ton silence me blesse, les klaxons, les chars m'agressent. En dessous de mes pieds, j'ai des racines qui poussent. C'est de l'épinette noire, mes godasses hors trousse. Les orteils dans le gumbo, la sève me remonte au cerveau. 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 Ils ont comme juste fait une échographie pour voir si la longueur était tu sais, qui se développait normalement. La longueur. La longueur. Développait normalement. Merci de m'avoir invité dans votre shed, hein, sans ben me oui. payer, en me faisant faire une job de journaliste. C'est vraiment gentil. Copier-coller les applaudissements. Ah ouais, on est lâche.